T'inquiète, je le ramène ici là. Oh là là. Un bonsoir, tout petit peu tube. Plus haut. Dis bonsoir à ton tube. Pardon, dis bonsoir à ton tube. On sait que tu fais des trucs extrêmement intéressants, mais quand même. Est-ce que tu veux une de tes baguettes de sorcier d'ailleurs? Allô? Pourquoi faire? Je sais pas, je te demande, t'as voulu des baguettes de sorcier, je t'ai ramené des baguettes de sorcier, donc je te demande si t'en as besoin pour combattre. On sait chiant. Bah ouais, tu peux m'en ramener une si tu veux. Non, c'est pas si je veux, c'est si tu veux. Ouais, ouais, vas-y, ramène. Oh, je vais mourir. Je peux pas me mettre dans un canon? Non. Bah pas avec... Attends, pas avec cette baguette de merde là. Bon bah j'arrive. Ah, on se fait bien canarder le navire. Hein. Ah bah ça, c'est pour ça qu'il faut quelqu'un à terre. Pour qu'il prenne l'aggro. Comme ça les deux autres navires, ils canonnent. Et il y en a pas un qui regarde ou qui pêche. Mais il y en a personne qui regarde ou qui pêche là. Oui, là. Ouais, là. J'avais personne qui pêche sur le bateau. Pas de quoi tu parles. Laisse au moins un trou, Chichi. Ah, ok. Oui, pour éviter que le navire prenne. Bah ouais. Au moins comme ça, le feu tu l'éteins. You don't know who you're dealing with. Écoute, hein, moi je suis dans la cale, hein, je m'amuse comme un petit fou. En train de casser le cul du vieux Horatio, mais ça va pas vite. Hein. Ah, je suis mort. Attends, attends, te renvoie pas ton âme. Non, je sais, t'as pas. C'est ça que je l'ai dit. Non, rien. Bon, du coup, t'es où toi, Knarf? Bah, je suis en train de tabasser le vieux Horatio avec ton bâton de sorcier là. C'est pas très vite hein. Comme kill hein. Tu veux mon avis, c'est pas très précis les canons hein. C'est approximatif. Ah, bon, dans la cale. Ah, j'ai plus ton bâton de sorcier. Ah, maintenant je lui mets des balles dans la bouche. Je vais tirer sur un de ses potes je crois. En vrai, pourquoi se faire chier au canon que vous avez une boîte de munitions sur, sur table? Et je crois que les munitions font autant de dégâts. Ouah, par contre, dès que tu le tapes. What ta 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 ta. Ah, faut pas le toucher au close, hein, par contre. Hein. Non. Fou, il fait beaucoup trop mal. Hein. Non, là, ce qu'il faut, c'est pompe, snipe. Ça tombe là, bien, j'en ai un de snipe. Allez hop, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, moi. Tiens, un Mac qui n'a jamais été réparé. Bah vas-y. Pour le moment ça sert pas vraiment à grand chose de le réparer. Je prends la... Si ça sert à quelque chose, ça sert à éviter que des joueurs viennent nous casser le cul pour prendre le boss. Et qu'on soit gratos. L'état de ton navire est toujours primordial. D'accord, autant pour moi, je ne savais pas. Par contre on a un peu beaucoup de trous en bas. Ouais, bah je suis plus là pour réparer, j'ai dit que je prenais ta place. Ouais, ouais, pas de soucis, on t'a vu. Pas de soucis, on s'en occupe. Ici, on pèse dans le monde du gaming. Ah, bon bah, IMAOS. Intéressant. Occupe-toi des trous, occupe-toi des trous. Mais putain, hein, je suis en train... Oui, parce que là, je suis en train de t'arroser ta gueule, t'arrêtes pas de te foutre au milieu. Bah, laisse-moi écoper. Sinon, je te laisse tout seul à la répa et moi, je vais survivre. Hein. Bah va sur l'île, j'arrive. Voilà, de la bouffe. Parce que c'est primordial. J'arrive mon con. T'as besoin d'aide pour écoper? Non c'est bon.
Non, non, faut laisser de l'eau, par contre. Ouais. Couché, mon salaud. Ah, loupé là. Ah. Prépare-toi. Impact. T'as pas? Vous avez vu à côté? Ok. Ouais, parfois il vise mal. Hein. Oh le bâtard! Je suis mort de flamme. J'arrive. Mais il faut réparer le mât avant. Non, non, laisse-moi crever. Répare le mât d'abord. Au moins une planche, histoire qu'il tombe pas. Ouais, pardi, je pense que se mettre au sniper à 3 là, avec la caisse de munitions sur le pont, on le descendra beaucoup plus vite. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais. Ouais, mais pour ça faut qu'on arrive à descendre. Si t'as une flamme verte, n'hésite pas à la mettre sur le navire, j'en ramène une rouge. Sait-on jamais. Tu sais que ce que tu ramasses dans la cale, tu peux le mettre sur les flammes Shinai et ça les éteint. C'est ce que j'étais en train de faire, signal. Tiens, tu veux bien là. Vas-y, flemme, trop long. Voilà. T'as déjà réparé la barre? Ok, nickel. Ouais, c'est bon. Nice. On a une lumière rouge à bord. Déjà ça de prix. Oh putain, on se retrouve. C'est bon, j'y vais. Je vais en bas. On est du coup un peu loin quand même pour le tirer l'autre PD. Hein. Bah, je cherche ma caisse de mine. Tu peux venir en cale s'il te plaît pour me remonter s'il te plaît? Non. Je suis sur toi. Merci, c'est gentil. Ah, lui il vous a. Hein. Ah, pardon. Non, je viens de t'arroser. C'était toi qui étais en feu. D'accord. Oh putain. Eh, j'ai à peine fini de réparer qu'il m'en remet une là. Il va se calmer sa chatte à un moment donné. Il est où là? Je le vois même pas. Il est caché je ne sais où derrière un rocher. Il est juste là. Ouais, bah caché derrière un rocher, ouais. Knarf, je propose un truc. On remonte l'ancre. Mais l'ancre est remontée. Ah bah il va falloir retourner le bateau et le rapprocher parce que là c'est impossible. Ouais, je suis d'accord parce que là on commence à être loin. De toute façon lui il nous snipe s'il a envie de nous sniper, qu'on soit à côté ou qu'on soit loin donc Ouais, je te laisse le manœuvrer, ça fait un moment, je vais en cap. Ah. Faut que tu me remontes s'il te plaît. Dario, toi tu fais quoi là? Tu sais que tu peux ramasser un seau d'eau pour t'éteindre mec hein. Bah je m'étais. Par logique je m'étais mis devant le jet d'eau, je me suis dit allez ça passe, bah non. Ouais non malheureusement non, et puis il faut que tu sois complètement dans l'eau en train de nager pour que tu sois éteint. Mais oui je suis d'accord avec toi, c'est un peu débilus. Bon, je vais quand même en enlever un peu de la flotte. Y'a encore du feu sur le pont? Non. Ah c'est bon là. Non. Ouais, il est sur un caillou. Ouais, on va se rapprocher quand même. Parce qu'avec la houle, nous, c'est plus difficile à viser que lui depuis le sol. Hein. C'est pour notre gueule. Oh, bon, je vais en cale. Ah non. C'est bon. Non mais c'est bon, je peux le demander, donc je peux le tirer.
Par contre, t'as pu arrêter de montrer. Hop, 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 hop. On tourne, on a fou. Pas grave, on a réussi à tout esquiver grâce à ça. Le moment de squeezer. Ah, il chancelle. Je nous ai ramené la caisse de munitions à la tépi. Hein. Mais là, en gros, c'est faut le marin va bouler là. Mais les balles, c'est des boulets de canon de boulet, hein. C'est les mêmes dégâts. Hein. Ouais, d'accord. À moins que ce soit plus spécifique, sinon. Ça fonctionne que sur les requins et les kraken. Les balles ? Ouais. Non, c'est les mêmes dégâts aussi sur les joueurs qu'un boulet de canon. D'accord. Surtout normalement. C'est pour ça qu'avec un boulet de canon, tu boulet bouche un mec, tu le one shot. Alors qu'avec un sniper, t'es obligé de le tout tap. Non, peut-être tu le one shot. Non, non. Mais bon, après, si tu me dis que c'est pas le même dégât et que c'est mieux, je te crois sur parole. Hein. C'est juste, je savais pas, je te dis. T'es pas obligé d'être désagréable parce que tu t'es levé à 9h pour jouer là. Hein. Mais c'est pour t'avais ça que te lever à 7h. C'est pour ça que je te le dis. Mais vas-y, hein. Demain 6h. Hein. Ferme ta gueule, toi. Hein. Calme ta chatte, hein, crois-moi bien. En position c'est pour vous, le tir. Je vous dis des trucs, vous en faites qu'à votre tête, vous m'écoutez pas, donc pas au bout d'un moment, moi je m'énerve. Principalement sur la répa, je t'ai pas spécialement écouté. Je savais pas que c'était genre différent de vous. Oh ça touche. Oh ça touche. Oh ça touche. Attention. C'est pour ma gueule ça. J'étais avec la chaloupe. Elle est en train de couler. Hein. Oh putain, je suis mort. Je suis mort, le bateau crabe. Il m'a pitchot moi en fait. Genre, c'est genre. Là, ce coup-ci, tu sais, c'est vrai, il a pas tiré à côté. Hein. Il m'a OS. Il me l'a mis dans la tronche. Fait, tu m'as mis 10 boulets de canon dans la gueule, mec, sans trembler. Je suis à la répa, je suis à la répa. Il a pris les 10 dans la tronche. J'ai pas bégayé. J'en ai 10, il m'a mis 10. Il a pas aimé. Et en plus, c'est beau, tu réapparais dans les flammes. Ah oui, c'est ce que j'ai vu. Hein. À peine j'ai bougé, j'ai pris de l'eau. Ah, mais. Y'a plus d'eau dans le bateau. Eh oui, mais tu t'es barré, je voulais te mettre de l'eau sur la flamme. Pas grave, ah oui, on a un tonneau d'eau ici. Quand tu jouais, ça existait pas. Si, ça existait. Ah si, ça existait. Get bugged, je crois. Allô ? Non mais comment ça peut fonctionner ? Ah. Je crois que j'étais bugged. Oh putain, je viens de me prendre. Oh là là. Je crois que je suis bugged, les gars. Pourquoi ? Non, j'ai eu un vide, je crois. J'ai eu un vide spatial à un moment donné. Ah ouais ? Ouais, j'ai essayé d'être une flamme, ça voulait pas et je vous entendais pas parler. Shina, tu laisses le feu sur le pont, tranquille, t'es souple. Bah, il y a encore du feu! T'es hyper souple! Bon. Ou c'est moi qui joue dans un autre espace-temps? Non, non, il y a bien. Okay. Ferme pas la cale, hein! Tant que t'as du feu allumé, tu laisses l'eau rentrer. Hein. Ok. En fait, c'est ça le principe, c'est de pas avoir à pomper de la flotte. C'est de pouvoir en récupérer grâce aux trous que t'as dans le navire. En abondance, tu vas beaucoup plus vite. Con, hein, mais tu vas beaucoup plus vite. Ah ouais, alors, donc du coup j'ai plus de boulets de canon parce que vous avez décidé de prendre tous les boulets, c'est ça. Donc, vraiment les dernières des grosses poules. Il est mort ? Non. Pourquoi il serait mort ? Je sais pas, moi j'ai eu vainqué. Ah si, je crois que je vois un truc qui brille, hein, je vois plus le mec. Hein. Bah bien sûr que je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé. Je vois une tonne de mutas. Je vais tirer deux boulets de canon dans la bouche, il est mort. Allez, monte là. Non mais t'avais qu'à aller à gauche, c'est là qu'est la plage. Je te ramène une chaloupe d'ailleurs. Tu noteras. Le grand prince que je suis, je t'ai ramené une chaloupe.
parce que pour l'instant c'est que de la merde. Mais on s'en fout, ça fait des sous. J'aurais mieux fait de pêcher, j'aurais gagné plus de thunes. Ouais, tiens, regarde, avec ça, vas gagner plus de thunes peut-être, Blaireau. En parlant de pêche. Ah, je crois que j'ai entendu des spectres. Ah, besoin d'aide. Spectre. Crypto-monnaie. Fanta. Argent des abonnés. Vite, les 2 millions. Super, on n'a pas la clé en plus. Un coffre dont on n'a pas la clé. Putain, bravo, hein. Oh, avec des doublons, trop bien. Ça, c'était un bon coffre. Mais bon, il n'y a pas que de la merde, pardi, t'es pardonné. Je crois que t'as beaucoup d'amis. Oh putain, le bâtard, il s'est retourné sur WAM. Il m'a eu. T'es en train de viser Pardy. Il a fait un petit 180. Canon bouche. C'était parfait. Et sinon, quand t'es sur la bordure de côte comme ça, Shunai, n'importe quel appât fait le taf. Tu es en bordure d'île, tu prends n'importe quel appât, c'est bon. Donc en général, il vaut mieux prendre le blanc, le lombric blanc. Puisque c'est celui qui ne te sert à rien en général. Voilà. C'est pour les petits conseils de pêche. Non. Oups, excusez-moi, je vais ranger mes boulets de canon là. Ranger les plans de chasse aussi. Les larmes. Oui, c'est ça, les larmes. Oh, un coffre de rage. Ah bah voilà. Ça c'est bien. 460, c'est tout. 460. Que éclaboussante mousseuse. Ouais. Ah, c'est de la merde ça. Faut aller chercher les poissons côtiers. L'île de mousse, machin, ce genre comme ça. Attends, je vais faire un coffre. Voilà, deux coffres en un. Par contre, sur le bateau, on en a plein. Enfin, sur la chaloupe. Oh, de la crypto-monnaie. Oh, la crypto-monnaie, quoi. Et parce que toi, les thunes que tu vois défiler, Shinai, c'est juste les fantômes qu'on bute. Hein. Alors, quand on bute des mobs, maintenant, ça donne de l'argent. Certains mobs. Il y a un mob, il y a les... Non, il n'y a pas qu'un mob, parce que les capitaines aussi lâchent du pognon. C'est vrai que j'ai dit certains. Un certain mob, j'ai compris, un mob. Non, non, tu en as certains, tu as le... Les capitaines cendrés. Tu as les... N'importe quel capitaine. Ouais. Ils peuvent te lâcher des golds. Tu as les fantômes. J'espère qu'il y a après, toujours l'eau dans le navire, hein. Et après tu as tout ce qui est crabier, tout ça aussi qui peuvent te donner des... Oh là. Il n'y a plus rien dans le navire, j'ai tout vidé. Ah, bah c'est une mauvaise idée. Bah faut venir inonder le navire en urgence. J'explique pour Shinai, j'ai un coffre de rage, donc le coffre de rage c'est un baril de poudre. Ah. Voilà, mais de flammes. Donc il frouffe tout ton navire. Donc, faut le noyer, si tu veux pas qu'il frouffe tout ton navire. D'accord, je ne savais pas. Oh putain. Donc là, en fait, c'est comme le coffre qui pleure, là, tu sais, qui monte ton navire. En fait, quand t'as les deux, t'es bien, t'es tranquille. Ouais, il se nul. Mais je crois qu'il y a un petit tips à mettre le coffre de rage. Il faut le mettre quelque part pour éviter qu'il te fasse... Il te fait aucun dégât. Faut que je me renseigne, faut que je regarde. Putain, j'arrive pas à mettre de l'eau à bord, j'arrive pas à viser le mac, arrête pas de bouger, putain. C'est bon. Ah, je suis bug, je crois. Tu le mets. Oh là là. Je prends un fiac comme ça. Ah, une petite chute de co comme ça. D'accord. Alors, si je te dis pas de conneries, il faut que tu le mettes à droite. De la table de cuisson, là tu dois avoir des petits tonneaux à ta droite. Ah, on le met sur la plaque sur le cuisine. Violette. C'est genre sur la plaque de cuisson en fait, c'est ça l'idée. Ouais, pas loin, ouais.
En gros, ce serait de le mettre juste à côté de la plaque. Oh putain! Ouais, bah il veut pas aller dessus. C'est pas grave, je suis en train d'inonder la cale, donc Osef. Qu'est-ce qui t'arrive, canard? Allô? Bah regarde ce qu'il y a sur la plage. Bah, je peux pas, je suis en train d'inonder la cale. Donc qu'est-ce qu'il y a sur la plage? Il a de la compagnie. Hein? Non, tire pas dans le baril, hein. J'ai pas tiré dans le baril, j'ai non, mais je te le dis, je te le dis, hein, le baril de fort. Bon, un, il explose très fort, déjà. Et deux, il vaut 5000 balles. Donc jamais on tire dedans. Je sais, j'ai tiré sur le squelette parce qu'il me tournait le dos. Et je sais tirer encore, les gars. Non, mais je précise, je sais pas si t'avais joué la dernière fois. On t'a pas dit de pas, on t'a pas dit de pas tirer, on t'a juste dit de faire attention. Veux-toi, Jack. Il y a des choses qui peuvent faire très mal, là. Et pour tout le monde, hein. Il veut l'enculer. C'est quoi le truc qu'on a laissé? Le crâne du capitaine, on l'a laissé là, genre on le prend pas? Bah j'ai pas fini, moi je suis en train de me faire chasser. D'accord. Bon, je prends la thune du capitaine. Ah putain, par contre comment il a zéro gold, le fils d'up. Attends, est-ce qu'il y a pas du loot là qui est tombé dans l'eau par hasard? Par contre, j'adore ta façon de charger la barque, on peut tous s'asseoir. Voilà. Si, on peut s'asseoir. Tu vois, t'as réussi à t'asseoir. Écumeur ouais. Des îles de miel, c'est de la merde? Moi, je propose... Non, c'est très bien. Justement, c'est les poissons. C'est un poisson côtier. Ok. C'est exactement ça. Qu'est-ce que je veux dire? On pourrait retourner directement à Galleon's Grave, hein, je pense. Hein. Quoi? Bah, pour vendre. Pas moi, je... Éclaboussant de vie, c'est de la merde. Alors, par contre, ça fait des golds. Oui, mais j'ai mis un appât. C'est pour ça. Une éclaboussante, je peux en avoir sans appât. Hein? Mais tu vas virer la chaloupe en bon état pour mettre la chaloupe de merde? Mais on s'en fout, c'est juste pour ah, okay, troquer le loot. Bah, écoute, oui, si tu veux, allez. Oui, alors, quelle indignité, mais vas-y. Hein. Bah, est-ce que tu peux me pousser la chaloupe, s'il te plaît? Ah bah voilà. Donc, résultat, on a perdu du temps, quoi. Super. D'ailleurs, tu pourras laisser ta chaloupe, finalement, parce que celle-là, elle est bousillée aussi. Hein. Je sais pas comment... Ah oui, à force de prendre des coups... Tant que la tienne, elle a pris qu'un coup de harpon, doit être en meilleur état en termes de PV. Ah oui, merde, putain, c'est vrai que l'autre, il est en train de me cramer la bite. Tourner un peu mon canard. Ah c'est bon, je l'avais. Ah non, reviens te taper contre. Ça c'est un coffre fermé. Par contre je descends rien dans la cale parce que tout est en train de craber dans la cale. Hein. Ça m'intéresse pas très 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 fort. Ou alors je peux mettre le gros baril de fort dans la cale. Vendu. Je pense que c'est un gros projet.
T'as eu de la chance, on part dit que le jeu était pas bugué. Pardon ? Je te rappelle que déplacer un navire avec une chaloupe attachée avec un baril dessus, c'est potentiellement une explosion. Non. C'est bon, ils ont réparé ça ? Ouais, parce que maintenant, tu peux mettre par exemple, si tu as des caisses de rhum, tu peux mettre des caisses de rhum dans ta chaloupe. Comme ça, si tu as un choc avec le navire, ça t'évite d'éclater tes caisses de rhum. Ah, donc ils ont réparé tous les glitches qui faisaient que avant tu rangeais ton rhum dessus, tout se cassait quoi. Voilà. D'accord, ok. Va y avoir du loot ou une épave à bâbord. Épave, c'est sensu, c'est ça ? Non, c'est toujours vers de terre. Globalement, c'est toujours vers de terre, à part sensu dans le sud. Et l'ombrix, ce sera que du loot que je ne vois pas. Et il y a visiblement que des barils, donc je vais faire un petit tour vite fait à la nage. Vous pouvez continuer. Vous êtes libre. Bon, il y a des planches, mais on n'en a pas besoin. Le canon incendiaire, on prend. Un poisson de qualité. Un beau poisson de qualité, puisque c'est un poisson des tempêtes, là. Deux poissons de qualité. Et puis, des frics. Et bah, très bien. Ouais. Et des bisous, quoi. Donc ouais, je propose d'aller vendre là, Galéon Grave. Puis normalement, on a une île. On doit aller sur un Galéon Grave. On a une île juste à l'ouest, là, Sucken Grove, je crois, si je dis pas de bêtises. De mémoire. Même encore avant. Ah, on a même on doit aller sur un 6 postes. Ah, un 6 postes. Ouais, le 6 postes à droite là qu'on va. Allez. Après les cailloux là. J'ai des poissons sur moi, tu me dis quand est-ce que je monte pour sauter. Non, faut qu'on aille récupérer de la marchandise. Ah, en plus okay, okay. Alors attends, faut que j'essaye un petit tricks. Parce que j'ai vu ça hier ou avant-hier. Et j'ai tellement envie d'essayer. On est quoi? On est sur un bon gros vent de face là? Ouais. Tu vas tourner par de où? Comment? Ah oui, c'est le 6 postes qui est à droite. Donc tu vas ouais. Avoir le vent à gauche. Non, tu tournes à droite. Tac tac, tu vas l'avoir là. Combien de phase? Tu bait ou c'est comment? Ah oui, tourner voilà, au harpon un peu vite, ouais. Alors, c'est plus fun quand t'as le vent derrière toi. Hein. Ouais, c'était juste pour aller au 6 postes en fait, tourner pour aller au 6 postes sans tourner oh, ouais. La barre. Ouais. Sans tourner le macaron pour essayer. Sur les galions, c'est super stylé à voir de loin parce que ça fait vraiment lever oh. Tout le cul d'un navire. Bonjour. Bonjour. Bon, ça va ici. Ça va. On peut dire bonjour ton tube quand on arrive. Ah, bonjour ton tube. Ça, je vois on arrive vite. Ça va, on arrive bien. Vous avez pu faire les quelques quêtes qui ont été remises là avec le dernier patch. C'est les fables qui étaient mises à jour, non? Bon, il n'y a pas que ça. Oui, bon. Non, il y a plein de hotfix qui ont été buggés, enfin débuggés. C'est vraiment que j'ai vraiment pas joué au jeu. Donc... On fait comme ça. Et on fait. Ah, t'es déjà parti, j'ai pas eu le temps de. Ok, d'accord. Non, je voulais juste coincer le bateau pour éviter qu'il recule à chaque fois en fait. Bon, moi je vais vous laisser jouer. Je repars dans l'ombre. Ça allez, marche, des bisous, mon poulet, prends soin de toi. Bien. Merci. En plus, je sors du kiné donc je suis vraiment mort. Je suis mort. Ah, tu m'étonnes. Allez, bisous. Bisous. Moi je pense que ce garçon fait des choses avec son kiné qui sont pas très légales, je pense. Hein. Ah si, du coup, si, c'est légal, mais pas très catholique, quoi. Ah, vous avez compris, quoi. Bon, on peut partir, on a tout ce qu'il faut. Let's go. Y'a quelqu'un qui pourrait se mettre à la cuisson des poissons que je remonte ou pas? Non, tu peux les vendre direct. Vends-les directement. Ah bon? Ouais, il va plus de thunes crues. Et il t'apporte plus de réputation cuit. D'accord. La réputation en général, on s'en fout un peu parce que normalement je voulais farmer comme d'un gros débilus que je suis.
Attends, bah je vais aller les vendre. Je vais juste finir de remonter ce poisson là et puis... Et on doit les livrer à Ancien Spire. C'est pas à côté Ancien Spire. Hein. Est-ce que ça nous arrange vraiment là? C'est l'autre bout du monde. C'est pas tout de suite surtout. De toute façon déjà faut se débarrasser de ce coffre de rage mais nous après normalement... Bah, moi j'attends que Shinai il pêche son poisson là. Vas-y commence à partir, je finirai à la nage. Ouais en plus tu pêches une merde. Mais non mais s'il part il va partir pleine balle, tu pourras plus revenir, hein, c'est terminé. C'est un trophée, c'est pour ça que je vais garder celui-là. Ouais mais il te nique un appât pour rien, ça c'est des trucs que tu pêches sans appât. Hein. Allez. Il n'y avait pas d'appât sur celui-là, j'ai oublié l'entraînement. Et t'as oublié de mettre un appât. Quel niveau d'amateurisme. Allez tu peux faire plouf. Vous êtes sous le vent monsieur. On va en profiter, je vais faire une pause. Oh, ce niveau de syndicalisme de la piraterie. Est-ce que tu trouves ça impressionnant ou pas? Ah vraiment. Oh mais putain on est confiant quoi. C'est moche. Ça dépend, tu fais. Ouais, tu vas. Oui, tu vas au Souverain, tu vas derrière. Ouais, ouais, je vais derrière, mais justement, j'ai envie d'essayer encore un truc. Ah, faut que je te rentre la voile avant. Ouais, ouais, c'est pour ça que je la rentre, comme ça, ça me permet. Après, il y a le phare aussi à faire là-bas si vous voulez. Le phare, quel phare? Comme ça. On passe ça. À droite. Droite? Y'a pas de phare à droite, bro. Une porteresse, un phare. Y'a rien à droite. Putain mais viens voir à ma place, regarde juste en face à droite. Qu'est-ce qui brille là-bas dans le noir? Ah un truc de spectre de fantômes. Une forteresse. Cherchez le crâne putain, mais cherchez le gros crane. Mais non sinon je t'aurais dit le crâne. Y'a un crâne en l'air, je le dis. Alors. Essaye un nouveau trick. Ouais. Ouais bah c'est pour voir si ce que j'ai écouté ça fonctionne donc j'essaye. C'est quoi c'est on s'arrête là, je pose les loups. Non 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 du tout du tout. Non non du tout c'est en gros faut que ma. Merde comment ils appellent ça déjà mon truc qui dépasse du nez du bateau là. Ouais. En gros, faut qu'il... mais c'est l'arrière. Ouais, le nez, la proue là. Mm-hmm. Ouais. Faut qu'elle arrive au niveau des machins là. Mm-hmm. Bon, bah je me suis loupé. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, vas-y, passe. Chevauche, s'il te plaît. Bon, enfin bref, apparemment, on peut mettre un truc comme ça. Voilà, vas-y, redresse-toi mon bateau. Voilà. T'es encore plus loin pour moi, c'est un enfer. J'arrive, j'arrive. Non, non, mais sinon je harponne, hein. C'est pas grave. Hein. Je harponne du top et ça marche aussi. Hein. Je le fais à l'ancienne, là. Voilà, c'était ce que je voulais faire. Mmh. Pas brillant de. Ah ok d'accord et tu restes comme ça. Ça fout le feu mais sur le. Ça a pas explosé sur mon poulet du coup. Ça fait quoi quand ça explose sur le quai? Bah ça fait qu'on va tous prendre des dégâts. Sérieux là? Bah ouais. C'est pas ce que tu me dis, Jack. Je l'ai vendu. En plus, il vaut que dalle ce coffre. Ah bah ouais, faut prendre un coffre de rage. Comment ça, faut prendre un coffre de rage?
C'est de la merde ce que tu nous as ramené. Ça n'a pas d'intérêt d'aller taper ce connard. C'est... Quel intérêt. Maintenant, moi, je peux faire largement un baril de poudre. Est-ce que je peux l'attraper là? Oh ouais, c'est du genius. Voilà, ça c'est une boîte. On garde un coffre boîte. Ouais. 10 000. Crâne rituel, on le garde ou pas? Bah non, enfin moi perso, après si vous voulez continuer dans la journée, c'est vous que ça regarde, mais moi après... Ouais, non. Tu sais que j'ai pas le temps, ouais, là on s'y est déjà mis beaucoup trop tard. Demain 6 h, hein, ça va vous calmer la bite. Hein. YouTube, on va leur faire une petite vidéo de 5 h 30, là, ça va les détendre. Ou 6 h, là. Ils seront heureux. Ah, c'est pas réparé, le navire n'est pas réparé. Bon, la suite, on enchaîne sur quoi? Bah l'île la plus proche d'ici, hein. On a Snake, on a Crooked Mast, on a Marauder's Arch. Bah il va falloir d'abord aller sur la gauche, parce que je crois qu'on a Succan Grove aussi, ce que tu as zappé. On a le Succan Grove. On a Succan Grove qui est donc à l'ouest, là, plein ouest. Voilà. Après on descend sur Shipwreck. On a Crooked. On a peut-être Crooked dans les... j'ai pas regardé les énigmes. Y'a Crooked. Ah, y'a Marauder's Arch dans le nord. Ouais, faut qu'on aille tout dans le nord-est là-bas, là. Oh là 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 là, le sang de la mine du démon, quoi. On a Krakenfall encore, on a une 4... Putain, vraiment l'idée de s'asseoir sur la table, ça sert tellement à rien. Marauder's Arch. À préciser que à côté de Succan Grove, il y a l'épave avec le super navire magique, hein, enfin le navire spectral fantôme machin, le hein, le rayon laser vert violet là, vert violet rose. C'est moi ou on est en train de pourrir tout le linge parce que je crois qu'il est en train de pleuvoir là, c'est ça. Hop hop hop, on va poser ça sur un bureau. En Chine, ils sont aussi concernés que moi quand je pêche, hein, pour ce qui se passe. J'adore ta façon d'être concentré, Chine. Quel style. Il a AFK. Mmh. De quoi? De quoi? C'est pas AFK là, c'est AFK pêche quoi en fait. Comme les gens mutent. Mutent casque sur Discord. Cerveau arrêté là. Mec, j'en suis en mode. Hein? Je suis occupé, fermez vos gueules. Pourquoi on a plus les cartes? Quoi? Ça, quoi. Moi j'ai pas touché à vos cartes, je les ai reposées directement. Mais si, on avait des cartes de capitaine des gens là. Le lot de cartes là. Bah elles sont toujours posées là. Bah ouais, mais. Y a un rayon magique avec des oiseaux. Y a un rayon magique avec des oiseaux à droite. Ouais, c'est normal. Ah, bah, oui, mais comment ça se fait que je l'ai pas. Oui, c'est une épave, Shinai. C'est l'épave comme j'étais en train de parler, mais bon, si t'étais pas AFK, t'aurais entendu. J'ai pas les cartes de Succan Grove sur moi, j'ai aucune carte de capitaine là. Moi non plus, elles ont été poussées parce qu'il y a quelqu'un qui a touché. Mais putain. Ah, c'est pas le truc qu'a ramassé Shinek. Si, si, j'ai ramassé mais j'ai reposé directement sur la table, hein. Ouais, bah. Tout fait foirer quoi. Voilà. C'est bon. Ah, elles ont été ajoutées à la table, c'est bon. Ok, nice. Je vous ramène un petit baril de poudre, attention, on va taper le rebord, hein. Non, non. Non, ça touche juste. À la vitesse où on va, là? Oh, je sais pas, hein, tu sais, des fois, le jeu, il est capricieux. Hein. Non, non. Tu sais, comme quand tu démarres d'un quai, et parce que t'as mis pleine voile, même si t'es à 3 km/h, t'as mis pleine voile, donc il t'arrache tout ton navire. Donc on est où, là? Succan Grove, c'est ça? Ouais, Succan Grove, ouais. Normalement, on a des cartes de capitaine. Alors, du coup, si on est sur le bon côté de l'île... De toute façon, elle est relativement évidente, comme île. Tu t'es mis sur quoi? Celle qui est à côté de nous là. J'ai rien compris. Tu t'es mis sur la carte de capitaine, tu t'es mis sur la carte de la quête. Carte de capitaine. D'accord, donc je me mets sur celle de la quête.
Et moi, tout se passe vers le gros morceau. Bon bah, let's go, je vais aller voir le gros morceau. Y'a pas un bouquin là-dessus? Vu que tu les as tous faits, là. Second, je sais pas. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Comment ça tu sais? Bah non, je ne sais pas. Je ne sais pas tout. Comment ça? Tu l'as fait, tu sais pas? Pourquoi tu me mens à moi, Jack? Spécifiquement à moi. Crachez-moi dessus, les serpents. Ouais. Ouais, faites, vas-y, allez-y, régalez-vous. Crache-toi. Mais tu vas cracher ta mère! Il a craché à côté, il sert à rien. Ah, tu veux la violette? Bah oui, tant qu'à faire, je vais aller chercher la violette. Il y a plein de serpents. Bah, on aurait pu garder le crâne de rituel alors. Ah, moi, c'est pour vous après. Moi, c'est vous, hein. Moi, je suis pas là après, hein, les gars. J'ai un métier, hein. Non, mais enfin, Shinai, ça m'étonnerait qu'il continue. Non, j'arrête après, non. Je vais manger et puis après, j'ai d'autres choses à faire. Il faut être là. Bien vu. Oh le bâtard. Ah oh bah merci. Voilà, je t'en prie. Bon, y'a pas un serpent qui veut me cracher dessus là? Ah ouais, peut-être finir de déterrer le loot d'abord. Même s'il se voit un peu. Voilà. Ah oh, putain, il a cassé la ligne. Oh là là. Est-ce qu'au boulot je leur dis que je suis malade ou j'aimerais rattraper un jour de taf là? Est-ce que c'est... T'as pas dit que le lundi il fallait que t'y ailles en plus? Ouais, il faut que j'y aille. En fait, le problème, c'est que le chiard qu'ils veulent garder dans leur équipe, il est tellement incompétent, je suis obligé d'être là, en fait. Moi, il me faut un serpent, là. Le serpent, crache-moi dessus, là. Je veux pas que ce soit un fantôme qui me tue, là. Dépêche-toi. Déferlante mort dorée. Allez, vas-y, viens la connaître. Putain, je suis mort d'un fantôme de merde, là. Font chier ces serpents à pas pouvoir cracher dessus, là. Bande de salopes. Ah, quel plaisir, mon téléphone qui déconne. Allez. Ah, le pont. Le pont du navire. Hop. Bien sûr, Shinai, tu n'hésites pas à nous prévenir si jamais on se fait attaquer. Hein. Ouais, on se... je préviens, t'inquiète. Parce que là, on se fait attaquer. Hein. Mytho. Ah, si, mais par des fantômes, donc ça va. De la thune? La crypto-monnaie? Putain, que dalle. Vraiment, quelle bande de pinces. Putain, ils ont été codés avec les pieds et les cartes ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu ferais bien de ramener ton merdier là. Au lieu de te plaindre. Ah oui, il reste plus que ta carte à toi, c'est ça? Ouais, carte de merde. Là. Ouais, bah t'inquiète, c'est bon, faut que les trouver tes coffres. Pas chier. Alors, y'a un coffre là. Ok, y'a pas un coffre là. Ça fait trop près. Ok, ok, c'est un baril. Mais c'est un baril de quoi? Ah, un simple gunpowder barrel. You know what I mean?
Il m'a dit Amine. Oh, il y en a un par ici là. Il est pas là, il est peut-être par là. Non, mais c'est quoi ce jeu qui code les cartes n'importe comment? non, mais je regarde pas la bonne carte, abruti. Abruti man. Si, normalement j'en ai un juste au pied de ce rocher là. Non? Ah, quoique. Ah, excuse-moi, je crois que je viens de te vomir dessus. Ah, ça serait plus par là, là. Allez, ouais. Je m'occupe des skeux. Oh, oh, baril de porc. Un coup de main? Bah tu lui... L'autre de derrière là, tu lui tires dans les chevilles. Ouais, je... Bien vu. Je te conseille de te débarrasser de ce baril tout de suite, de le ramener genre à la maison, maintenant. Non! Bâtard. Mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. On a des loots partout, mais on a rien. Il nous faudrait presque une chaloupe là. Bon, alors, est-ce que je peux reprendre ta carte mûche là? Hop là. À côté du banc de sablas, pour moi c'est là. Entre ça et cette pointe là. C'est juste là où t'as tapé pour moi. Hein. Bon, bah c'était entre les deux où t'as tapé quoi. C'était vraiment histoire de chipoter. Hein. Ça a chipoté très fort. Ouais. Ce qui est par contre, bah voilà, le en fait l'avantage de trouver des trésors sur des petites îles, c'est que ça va vite, hein, parce que les îles sont petites. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut être bah, plus précis que sur des grandes îles, quoi. Là. Ouais. Ouais, bah là, j'avais vu la terre retourner. Ouais, ouais. Écoute, moi, je vais ramener un baril de fort. C'est la seule chose qui m'intéresse dans la vie. Bah sinon, on prend le bateau, on fait le tour de l'île et puis on vient pit. Ah, si tu veux, ouais. Ouais, tu me diras, ouais, c'est pour ça que j'ai mis ça. Ah, il y a 4 loots et il y a même plus que ça, monsieur. Regarde ce que je viens de trouver là. Ah, une caisse d'espo. Petite boîte. Attends, fais voir ce qu'il y a dedans. Oh, il n'y a pas grand chose. Hein. Tiens, je te donne des planches, des boulets. Vas-y. Oh, le bateau il est loin en vrai. Oh, vas-y, j'arrive. Après, il est pas immense non plus. Hein. T'as vite fait le tout par le tour. Oh là là. Un fantôme! Thierry, des fantômes! Ah oui, ne vous rapprochez pas par contre de mon baril. Je sais pas mon baril. Le Neptune, bâtard. Putain. Remplissons cette boîte. Que ça va faire, je remplis de la boîte. Munition, ça dégage. On prend tout. Voilà. On prend tout. On prend tout. J'aimerais bien faire un tour quand même dans le cœur de l'île, voir s'il n'y a pas un bouquin dans les souterrains ou un truc comme ça. Parce que je pense que s'ils ont mis un livre, c'est par là. Bon. Je fais un petit tour des barils, on monte à combien? Deux ananas, c'est toujours cool. Let's go. Enfin, on peut accéder comme ça. Un truc qui marche bien aussi. Je vais m'asseoir sur une charrette là. Tout l'intérêt là. Maman.
Attention, il y a un cake à l'entrée des marches en bas. Livre. Il y a un livre. Ah oui, mais je crois que c'est un livre de quête sur les outils, là. Ouais, ouais, Dieu Vanda, tout ça, ouais. Il est derrière toi. Occupé. Ah bah, tant pis pour toi. Ça, c'est cool, j'avais mis un appât. Bon, c'est bon, on se casse. Oh, ouais, allez-y, hein. Je trouverai une technique de suicide, vous inquiétez pas. Essaye de trouver un glitch contre un mur. Pour me faire TP ? Ouais. Ouais, je préfère me faire empoisonner par des saloperies. Hein. Allez, on met le feu à tout là-dedans ! Bon, alors, je suis pas sûr qu'il y ait un livre là-dedans. Ah putain, faut qu'on remonte plein nord. Bonjour. Il y a de la crypto-monnaie là au nord de l'île, Knarf. Comment ça? Là tu vas au nord de l'île, il y a de la crypto. Ok, j'arrive. T'as tué des fantômes? Ouais, c'est juste là, là, ici à droite, là. Oh, j'ai même un capitaine. Bonjour. Vas-y, je fais le tour, j'arrive. Oh non. Y'a un petit crâne pour toi ici. J'arrive. Si jamais. L'île ouest. Je suis pas du bon côté. Hop là! Ici n'est pas l'île ouest. Très bien. Bon, ça ressemblait vachement à un île ouest, hein. Bon, bah vas-y, hein, je fais le tour de l'île. Hein. Pour? Bah pour le temps que tu trouves ta quête, là. Ça va être celui-là, l'île ouest. Et au nord, je vois toujours pas ta crypto-monnaie, hein. C'est bon, elle est cachée derrière un. Sur un petit bout d'île. Ah oui, c'est bon, j'ai deux bourses avec des munitions. Merci. Une fois au feu de camp du pêcheur sur le littoral ouest, un droit découvert, jouer un bel air. Edouard Bel Air là. Voilà, c'est bon. What's up? La fin, s'il vous plaît. Trouvez le drapeau blanc nord. Édité sur votre vie nouvelle. Quelle vie incroyable. Le nord. J'ai comme la vague impression qu'il y en a un qui a raté le fond. Non. Non. Je vois pas de quoi tu parles, Shinai. C'est une illusion de tout. J'ai trouvé un drapeau blanc, mais il est en train de bouger, c'est celui qui est sur un bateau. Alors, il est Y a un truc sur le l'île là en face. Qui brille. C'est des munitions. J'en sais rien, moi je te le dis, c'est tout. Ouais, moi aussi je te l'ai. Qu'est-ce que c'est trop bien de drifter à travers les îles comme ça. Drapeau blanc au nord. Est-ce que là, vous que vous êtes au nord, vous voyez un drapeau blanc? Non, moi j'en vois pas. Trouvez le drapeau blanc. Regarde sur la plage peut-être. Sur votre vie nouvelle, faites 8 pas
à l'est, sud-est et laisser parler la pelle. Ça devrait pourtant être par là, ça devrait genre être une plage. Ah oui, mais on n'est pas sur la plage ouest ici. Non, on est à l'ouest ici en fait. Pas genre du tout au bon endroit, ouais, c'est ça, je me case ici. C'est de la merde, c'est un piège. Regardez sur ouais, nos îlots de cons là, quel côté desquels vous allez passer. Ouais, bah écoute, pour l'instant je me fais rafaler. Ah d'accord. Ah oh, j'ai trop. Alors je suis au nord, j'ai des coffres. Normalement, disons que j'atteins le nord. C'est le nord, petit, c'est le nord. Ok. Ah si, drapeau blanc, c'est bon, je l'ai. Et donc, nice. Nous disions... Est, sud-est. Est, sud-est. 8 pas. Ah, celui-là, il faut pas que je le loupe. Oh là. Quoi, oh là? Ah, je commence à faire des conneries. I got the chest. Oh, c'est vrai que quand on est 3 c'est chiant putain. Et c'est encore pire quand on est 4. Parce que déterrer les coffres c'est plus long. Je sais pas qui a eu cette idée de con. On s'en foutait, on sortait des coffres en 3 coups de pelle, c'était très bien. Quel que soit ton nombre de joueurs. Je vois pas l'idée. Vous êtes par The Who. Voilà, c'est bon, je vous vois. On est par ici. Et par Zival. Ah, ah, fais gaffe, t'as des. Je vois des spectres aussi. La... Ouais, bah essaye de venir de là où je suis. Tourne-moi le dos. C'est bon, c'est pas grave, je vais affronter des spectres. Les spectres des démons pour trouver de la crypto-monnaie. Donc là, nous, faut qu'on aille. Parce que depuis tout à l'heure, je fais le tour de l'île au harpon. Faut qu'on aille. Ah la vache, hey, c'est trop beau! Je suis mort. Sérieusement là? Ouais, j'avais plus beaucoup de PV quand je l'ai sauté. Bon, du coup, est-ce qu'on se prend le petit loot qu'il y a ici là? Ça va, c'est vous qui voyez, je suis mort. Je suis mort, je sais pas de quoi tu parles, je suis pas là. Toi qui vois, je suis en train d'en remonter un de loot moi. Non mais enfin, sérieux les gars quoi. Mais c'est pas que je veux pas, je suis mort mec, je sais pas de quoi tu me parles. Je sais... Et moi je sais pas ce que tu ce dont tu me parles non plus. C'est pas que je te déteste hein, je ne vois pas de quoi tu me parles. Le loot qui est ici, le bateau épave, de quoi on parle? Bah oui, du bateau épave. Ah bah ouais, carrément, moi je suis d'accord, mais par contre tu sais que ça veut dire qu'après on fait un drift tout droit jusqu'à la faucheuse hein. Ah c'est... let's go. Et là-dessus c'est des vers de terre si jamais. Ah, faut que je change alors. Ouais, et ce que tu cherches, c'est des poissons de type de la damnation éternelle, là, comment ils s'appellent? Il y a un rat sur le navire. Il y a quoi? Il y a un rat sur le navire. Ouais, plus d'un. Okay. Ouais, plus d'un, c'est normal, c'est de la déco. Alors, déjà un coffre. Ensuite, poser mon merdier, ça serait quand même pas mal. Attends, on va redescendre avec la caisse de stockage. Oui, tout à fait, mais je veux dire, j'ai déjà les poches pleines inutilement quoi. Crâne. Les poissons, c'est en bas, hein. Ah, autant pour moi. Tac. Pas de soucis. En fait, pour que quand on fasse un clic rapide pour prendre de la bouffe, on prenne pas un poisson. Bah, justement, pourquoi c'est en bas? Justement, parce que normalement, on ouvre pas en bas pour prendre de la bouffe. D'accord. En urgence. Lors d'un combat. Autant. Donc, on sépare ce qu'on attrape à main nue. Enfin, en urgence, donc ce qui est le tonneau du haut, on veut pas attraper ni des vers ni des. Ni des poissons. D'accord. Donc on sépare ça des fruits. Tu peux me balancer une caisse de stockage s'il te plaît? Je vais faire le tour avec la caisse de store. Ouais. Faudrait pas enlever un peu de flotte?
merci. Alors ça par contre c'était vraiment la pire erreur que vous avez faite. Ah quoi que je sais pas. Si ouais vous avez enlevé le rayon laser dans le ciel. Et maintenant tout le monde, celui qui a les yeux ouverts sait que quelqu'un a ramassé le coffre et on est tagué sur la map. Y'a personne sur le serveur. Ouais j'espère. Mais bon, c'est juste que la China il faut que les Russes se connectent ça, je reconnais. La China il faut que t'ailles surveiller les cartes. Faut que j'ai surveillé la carte. Ouais. En gros, si tu vois un mec avec un drapeau rouge, c'est un émissaire de la faucheuse et lui il est là pour nous défoncer. Lui. T'es allé en cale, t'as vu le loot? Ouais, ouais, y a un crâne en bas, je crois. Ok, ça marche. C'est nous qui avons le crâne sur la gueule, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. C'est dans un macaron violet-rouge. Enfin, bon, ça sert à rien que je te parle de couleur, mais. En plus, il y a le filtre. Nous, ça ressemble à une médaille. Eux, ça ressemble normalement à un drapeau de mort, si je dis pas de conneries. D'accord, d'accord. Et bah, pour le moment, y a personne. Bah, je vais aller pêcher un poisson et puis je vais retourner après. Comment je fais pour sortir de cette carte? F. Okay. Je vois pas de crâne dans la cale. Ah, y a des tonneaux que t'as oublié de faire. Ta caisse, elle doit être pleine. Je pense, ouais, parce que je peux plus rien prendre. Ouais, ta caisse est pleine. Oh ah ouais, il faut absolument que tu redescendes. Genre, c'est impératif. Genre, vraiment. Genre, c'est tellement impératif que même moi, j'ai peur qu'il dépop, donc je les prends sur moi. Voilà. Ah ouais, d'accord. Il y a un tonneau qu'il faut absolument faire. Ah ouais, non, mais là, il y a un tonneau. Je t'explique. Bon, évidemment, ah ouais. Je vais te parler de pêche. Hein. Ah, t'imagines bien. T'imagines bien que je vais te parler de pêche. Hein. Mais j'ai un écumeur des îles d'améthyste trophée. J'ai une branchie belliqueuse de rhum trophée. J'ai un tempête de mer côtière, un kraken cuit et un mégalodon cuit. Tout ça, c'est du cuit. Hein. J'ai un naufragé de rose. Ça, c'est bien, ça. Là, tu vois, le stockage bah, tiens, du, coup... Hop, du pêcheur, il a augmenté, là. Ah, t'es où, Knarfang? Dans la cale. Tiens. De quoi? Moi, je vais me faire un copain. Tiens quoi? Tiens quoi? La caisse de stockage, frérot. Mais tu l'as mise où? À ah, tes oui, pieds. Tu l'as vidé? Oui. Non. Elle est pas vide. Pourquoi ça tire? Mais elle est quasiment vide. Il est en train de se faire un copain, donc il est en train de tuer un requin. Parce qu'il a sauté. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un quinquin. Et on peut avoir aussi des attaques de sirène, ce qui t'empêche alors de pêcher, ce qui est infect au possible. Ce qui est trop bien. C'est de la merde. C'est vraiment une idée de con sur vraiment. Et de toute façon, faut qu'on aille. Tiens, regarde. Il est pas un quai garçon. Hein. Qui ça? Machinaï. J'arrive avec un baril derrière lui, je le mets en route, même pas il décoche en mode ah oh, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Non, mais il est en mode AFK pêche là. Ça, ce non, c'est pas mis, ça. Il s'est mis un petit zouk avec un petit rhum, tranquille. Même pas. Merde. Même pas, j'ai entendu marcher. Par contre, il y a une chaloupe à gauche là-bas. On est mort, c'est ça? Non, il y a une chaloupe à droite. J'ai encore aperçu que j'étais déjà mort en fait. À droite, il y a une chaloupe dans le. Dans la houle. Mais c'était la note de tout à l'heure. Ah bon? Ok. Pourquoi? Attends, les poissons ils sont en haut en fait? Ah, c'est pas voilà. Moi qui les ai rangés ceux-là. Ouais, c'est bon. Mais moi, parce que je viens d'arriver, j'ai vidé la caisse de stockage. Deuxième fois que je te le dis. Mais putain, je vais te défoncer. Vas-y, roule ma poule. Alors, il nous faut un pêcheur. Naufrageur lunaire. Il nous faut l'île des voleurs. Voilà. J'ai un naufrageur lunaire, je sais pas si c'est bien. C'est top. C'est top à la vachette. Interville. Coffre-boîte. Oh la vache.
Contre-boîte et sud-ouest. Cette caisse de stockage est surpleine. Je vais aller vider une autre caisse de stockage. Ah ouais? Oui, on a une autre caisse de stockage qui était pleine sur le pont. Qui était celle de l'île du Kraken. Oh là-bas, il y a un avant-poste. Oula, il y a de la bouffe. Là, il y a de la bouffe dans cette boîte. Il y a de la bouffe dans cette boîte. Oula, là, c'est long. C'est long. Ah, c'est terminé. C'est un peu long quand même. On a rangé quoi là-dedans? Oh, ça va. Ah, j'ai un verre de terre en rap pour toi si jamais ça t'intéresse. Cool. Tac tac. Je vais sur quel avant-poste là? Enfin, je vais sur quel six-poste? Celui que tu veux. Il faut juste que j'aille sur un. Ah oui, tu veux dire en termes d'azimut, c'est ça que tu veux? Willing Treasure. Non, c'est parce que là j'en vois un en fait et je voulais savoir c'était lequel. Ah, le Willing Treasure Store. Il y a une espèce de brume verte. Je suis en train de me dire. Rouge, orange. Droite. Ouais. C'est un sanctuaire. On n'a pas le choix en plus, on va être obligé d'y aller parce que c'est le plus proche en fait. Alors c'est. Ouais, faut aller là-bas parce que c'est vraiment le plus proche quoi. Le six-poste. Ouais, c'est le six-poste le. Oui, le six-poste le plus proche, c'est celui que t'as vu. Bon, on va faire les calculs. Moi j'ai 1 046 000. 1 990. Je suis pauvre, Harry. 738 000. Tout pile. Ouais, mais vous êtes riche pour le niveau que vous avez. Quoique, non. Pardi, maintenant il doit commencer à se sentir pauvre s'il veut tout. Ah non, moi je suis pauvre, hein. Parce que si quand tu vois toute la collection du spectre, tu dois commencer à te sentir un peu pauvre là. Quand tu vois des voiles à 8M, tu vois flou. Oui, c'est ça. Hein. Et quand tu vois un pantalon à 5 millions, ah bah là tu vois plus du tout là. tu ne perçois plus les couleurs, tu ne perçois plus la lumière, tu ne perçois plus rien. Tu es ah dans là, le noir. Hein. Là. Oui, c'est ça. On va ça dedans. Bah, allez, vite toutes vos poches, les gars. Juste à côté de. Juste à côté des tonneaux de bouffe, Shinai, ils sont. Ah, bah non, de toute façon, on va arriver à côté du poisson, donc je vais aller directement. Franchement, on a deux caisses de stockage, ou trois. On a trois caisses de stockage, donc tu t'arrêtes même pas, hein, je saute, tu te casses. Toi, si jamais Shinai, t'as fini de pêcher ton truc avant qu'on y arrive, ouais, ce serait pas mal. Déferlante... Tu me le jettes directement dans la boîte. Ok, c'est une déferlante océanique, hein, si jamais ouais. Tu veux savoir. Oui, je la vois. Alors, du coup, je vais ralentir, comme ça tu vas pouvoir la pêcher tranquille. Surtout que j'en ai encore. J'ai trois autres poissons sur moi. Donc, c'est. Ouais. Tu mets tout dans la boîte et puis je dégage. Quoique, vu l'allure à laquelle on arrive, on a le temps de se stationner en fait. On va avoir tout le temps de se stationner. Juste non, il pêche à droite quoi, donc moi ça me. Oui, t'es en pêche inversée, c'est très bizarre. Bah ouais, il me trigger. On pêche jamais à droite, on pêche toujours à gauche. Et il y a une raison bien précise à cela. Bah ouais, je m'amarre toujours à droite. Ah, t'es là, attends. Ouais, dans la boîte. Tiens. Ils y sont tous? Ouais, ils y sont tous. Ok. Bon bah vous pouvez filer à l'anglaise si vous voulez. J'ai juste envie de faire chier le monde. On le tire. Wow. C'était quoi? Quel poisson à 3000 là? La déferlante corallienne, je pense. Ah, bah j'en avais ramené ça en plus. Déferlante corallienne, non, je l'ai en main. Ah oui, tu m'as demandé d'aller à gauche. Ouais, c'est ce que vous voulez, hein. Putain,
putain, non, j'ai dit que putain, on devait aller à. Non, j'ai un truc sur la tête là. Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Aller continuer mes quêtes, moi je suis fou. On va au Reaper, non? Ah ouais, là je m'envole à Reaper là, mais c'est moi, tu vois, comme ça, un con. Si j'avais des trucs d'Athéna que tu veux absolument déposer chez truc machin bidule chouette, mais sinon, tout droit Reaper. Hein. Que éclaboussant indigo, tu dégages. Et ben, j'ai fait 10 000 balles de poiscaille. Ouais, c'est ça, j'ai fait 10 000 aussi. Ouais, comme quoi, hein. On se fout de mes poissons dans mes épaves. Hein. Mais à la vitesse à laquelle ça se ramasse, hein, c'est un peu ultra rentable. Ouais, y'a un capitaine là-bas. Ouais, mais là on peut pas, là faut piquer plein sud, mec. Un Reaper Hideout, c'est pas à côté, hein. C'est plein sud. Ah, c'est juste que je veux éviter la tempête, vois-tu. Ah. Après, j'y vais, hein. Mais t'assumes, hein. Non, ça marche, hein. Pour l'instant, tu peux continuer sur cet axe-là. On n'a pas une quête à faire là sur. Sur cette île de con là. Ouais. Alors j'ai pas regardé le full là. Marauders Arch. T'es capitaine Crooked Mast. Non, ça c'est Snake. Snake Island. Ça c'est Chiprix Bay. Je peux pas voir parce que je suis sur le Falcor recommandé par Partival. Cannon Cove. On a la cave à canon. Cave à canon, ça c'est l'Aun. La cave au canon. Voilà. Et non, on n'a pas, hein. Ah, tu vois, je pensais même dans les quêtes ouais, les quêtes dans annexes, les quêtes annexes aussi, mais bon, même dans les quêtes même annexes, pas. Ça a l'air de nous envoyer sur Marauders Arch. Je t'avoue, j'en ai pas rien à foutre. Avant poste de Moros Peak va te faire foutre. Clairement. Y'a pas de discussion. Et Marauders Arch. Ouais, on a pas mal de quêtes du coup sur Marauders Arch. C'est rigolo ça. Pourquoi l'avant poste on va se faire foutre? Pourquoi il y a un poisson qui reste dans cette caisse de stockage cuit? Et un bout de machin croqué? Pourquoi les choses sont pas rangées là où elles devraient être rangées, en fait? Ce qui m'aurait permis de vendre ce poisson. Et qui a croqué du porc? Moi. Salaud. Et non mais sérieusement, pourquoi on pourrait savoir si c'était pas rangé, bordel de merde? On a trop de caisses. Voilà, ah mais je... En fait, voilà. Moi je sais... Garde-toi la canne de porc sur toi, du coup. Ouais. Voilà. On a trop de caisses de stockage, allez, ça dégage. Ah mais c'est bien comme ça, s'il y a une grande île, on est deux avec une caisse de stockage, il y en a un, il part d'un bout à l'autre et vas-y, ah, roule. Non, je m'en bats les couilles. Ça fait après ça fait des stuffs oubliés. Ça aurait dû être vendu, ça a été oublié. Il y a des merdes qui sont oubliées à gauche à droite, là il en reste une à bord. Très bien, personne n'oubliera où est-ce qu'elle est. Ça n'oubliera jamais. Ah hein. Oh, putain, non. T'as toute la truc qui fait le tour, ouais. C'est moche. Ah, est-ce que là, du coup, maintenant c'est plein sud, hein? Ouais. Ouais, va falloir y aller à un moment donné. Hein. Tu sais, après, hein, les caisses de livraison, si on veut, on s'en fout. Hein. Ouais, non, mais ça, je sais, mais ça fait toujours des tunas en plus, quoi. Je suis d'accord. Ah, désolé, mon chinaï, ça va casser, hein. Alors, si jamais on rentre dans la tempête, hein, que tu commences à entendre le bois craquer, machin, tout ça, chinaï, ce qui va pas tarder à arriver. Donc là, remonte ton appât, c'est du noir qu'il te faut. Est-ce que je peux avoir un azimut là, s'il vous plaît? Ah oui, parce que tu es pété. Pas encore, mais normalement, à partir de là, c'est plein sud. Non, pour l'instant, tu vas tout droit. Pour l'instant, tu vas tout droit. Et je vais rester sur la carte et je vais te dire à base de tout droit, gauche-droite, ok? Il y a une épave à gauche. Ouais, bah là, non, c'est pas possible, chérie. Ah bah, je sais rien, moi, je ne sais. Donc là, il faut que tu pêches au noir, là, maintenant que t'entends ding-ding-ding. Et ouais, tu ne cherches que des tempêtes de mer. D'accord. Et rien d'autre. À moins que ça te donne des poissons ultra rares de la région, mais là, ça sera pas le cas. Tu tiens super bien la barre, mon lapin. Moi, je dis, si tu continues comme ça, bah on arrive tout droit sur Reaper. Ce qui est parfait. J'essaye de contrer le courant et tout. Hein. Oh, tu fais ça ultra bien. Ne laisse personne te dire le contraire, t'as pris un petit coup de taser électrique? Non, c'est juste tombé devant Shinai. Ça va. Il va falloir resserrer un petit peu à droite, mon poulet, un petit peu. Non, je peux pas. Ah si, maintenant, Shinai, arrête de pêcher ou pêche à gauche.
mais viens vers nous et pêche à gauche. Arrête de pêcher là-haut, s'il te plaît. Mais il faut qu'on pêche. C'est ça décidé. Ouais, non, ça, je... Ouais, voilà, merci. Parce que le fait que tu sois sur le pic là-bas, moi, ça me... ça le trigger. Ah, ça me perturbe de voir, surtout, je pense. Bah ouais, parce que je vois ton... J'ai ton pseudo en plein milieu de moi, en fait, et je vois pas ce qu'il y a derrière. On a une cale bien inondée à moitié, mais on est sous le vent, sachez-le, monsieur. Ouais, ouais, moi, je veux savoir si je suis toujours bon. Et ça, ça va où, ça, déjà, ces trucs-là? Ancien Spire. Ah oui, tout au sud. On oh, pourra piquer sur Ancien Spire pour se débarrasser des boîtes. Il m'a bouffé mon appât. Ah, fais chier. De toute façon, là, c'est trop tard. Tu peux rechanger d'appât, on est plus dans la tempête. Bah, on n'a plus de verre de terre. Ah ouais. Donc, tu peux te passer d'appât, puisqu'il y en a plus. Si, il y a deux verres de terre, puisqu'il y a un mec incroyable qui t'en a ramené deux. Ouais. Incroyable qui a fait le taf. Let's go dans le game. Aïe. Donc attends, il m'a dit qu'il fallait que je me mette ici, c'est ça? Non. et lui, il cherche vraiment les problèmes, lui. Ouais, toujours. Il a dit qu'il était juste là pour casser les cons. Bah tiens, regarde, va faire un tour à l'eau. Je pêcherai depuis l'eau. C'est un peu plus compliqué, déjà. Pourquoi le niveau d'eau en cale, il a baissé? Parce que j'ai enlevé un godet. On mais sait jamais. Tu pas enlever un godet, le niveau d'eau du coup il est trop bas. Non, il est bien. Lui. Moi je le trouvais bien comme ça. Parfait. Ouais, non. Je me tire sur cette petite île de mort là. Je vais faire un tour. Allez, à plus tard. Ah, c'est lui. Ah, moi je fais pas. Je fais pas demi-tour. Hein. D'accord. Même s'il y a plein de loot. Parce que généralement, c'est une île, ils aiment bien. Voilà. Il vient mettre plein de loot. Ouais, ouais, allez, bah. Je vais faire plus qu'il y a déjà un loot dans l'eau. Je vais vendre mon coffre de mort. De Seymour et j'arrive. Parce que hors de question que je me balade avec une tête de mort comme ça tout le long du. Ah, alors ça brille, mais je peux pas le récup. D'accord, super déjà, merci le jeu. Oh putain, Reaper, elle est encore tellement loin. Oh non! Ah, là ça sent les emmerdes. Là, il va falloir que je rentre. Là, bon, j'ai pas le temps de voir s'il y a du loot. Hein. Je reviens. Attends, deux navires en plus? Ah ouais. Sinon il va falloir arrêter de pêcher après ça. Si t'as rien au bout de ta ligne, il faut arrêter de pêcher là. J'ai pas commencé à pêcher. Non, c'est pas le moment de friser, frérot. Passe à gauche, à droite, vas-y, je m'occupe de celui de gauche. Je suis en cale. Putain! Oh, mais je sais pas, mais mes obus passent à travers, c'est quoi cette connerie? Mais c'est quoi? Mais pourquoi il y a autant de décalage sur les boulets, bordel? Y a un truc qui m'échappe là ou quoi? Hop, on en a coulé un. Mais putain. Ah oui. Mais putain. On a coulé le deuxième. Non, non, il est pas coulé, il a juste lâché hein, celui qui est derrière. C'est parce qu'on est proche de Reaper Hideout, c'est pour ça qu'ils sont en train de lâcher la chasse, ok. Sérieux? Oui, oui, c'est ça. Mais il y en a un derrière, il est quasiment coulé, mais non, il est pas coulé, il a fait demi-tour. Tu peux remonter la voile de devant, te plaît? Qui ça, moi? Bah, celui qui est sur le bateau, là. Est-ce que vous tirez à Ancienne Spire ou vous retournez à Marauders? Bah on peut tirer jusqu'à Ancienne Spire puisqu'en plus... En fait ce qu'on peut faire si tu veux c'est qu'avant même Ancienne Spire, par rapport ouais. à là où on est, on peut quand même taper Snake Island, Crook Solo, ouais. qui sont à côté. Ah oui c'est vrai qu'on peut mettre autant de cercles qu'on veut, donc j'ai enlevé le cercle de... Bon, je vous mets les voiles, moi je vais vendre le coffre et on se rejoint. Crook Solo, et puis après on remonte sur Kraken Fall, récupérer le loot, enfin il y a d'abord Ancienne Spire. Je suis à l'eau. Personne à la barre. Putain mais... Et pourquoi tu nous as pas stationné là? Putain je suis sur la carte, t'es obligé de faire le con. On sert à droite toute.
Il y a un quai à côté du fort. C'est là qu'on va. Arrêtez d'enlever des putains de seaux d'eau dans cette cale, il n'y a plus assez d'eau. J'ai rien enlevé du tout, hein. Moi je suis à l'eau. Mais là maintenant tout de suite t'es à l'eau, mais vous avez retiré trop d'eau. J'ai retiré qu'un seau. Arrêtez. Le seau que bah, vous tu m'as de l'eau embrouillé. Dans cette cale. Noyez là, j'en ai rien à foutre. Allez, hop, cadeau. Quoi ? 75 doublons ? Ah oui, parce que toi c'est une première, pour moi c'est 25. Je suppose pour toi c'est une découverte. Oh la vache ! Hey. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas dans il faut remettre de l'eau dans la cale, les mecs, vraiment. En fait, si vous remettez pas d'eau dans la cale, la plante s'abîme, et si la plante s'abîme, ça vaut plus le coup de la livrer. Voilà. Tu peux l'arroser la plante. Ouais, non, c'est bon. Oui, mais ça marche pas tout le temps. Et après, elle fane beaucoup plus vite. C'est pas grave. Je le fais, hein. N'inquiétez pas. Je m'en occupe, hein. Bah, de toute façon, moi je suis sur l'île encore, donc ça va être compliqué. Problème, hein. Ça m'a l'air bien. Ah c'est bon, maintenant tu peux stationner, maintenant que je suis fléchi à le faire, c'est bon, hein, il n'y a plus besoin. C'était bien. Super. Vous êtes inutile, messieurs. Vraiment. C'est impressionnant. Je comprends pas pourquoi je continue à jouer avec des gens. Alors où est-ce qu'on peut se faire glitch ici? Mais retourne au bateau, il est stationné à quai. Attends, vous êtes sérieux là? Mais oui, on a plein de trucs à vendre. Non, c'est quoi, je vends même les coffres boîtes là. T'en prendras être con. J'ai un poil loin. Bah, tu sais, tu peux tourner. Hein. Tu tournes, tu mets le nez contre le navire, contre le bordel, et puis t'es pas mal. Et moi je trouve le moyen de me louper. Bien, tu peux recommencer. On revend tout, hein, ou on fait quoi? On lui ramène tout à ce type? Je suis en train de courir, merde. Ouais, si vous voulez, on peut tout lui ramener. Ah! Ouais, c'est bon, je crois savoir. Ah si, la seule technique de le faire, hein, c'est de sauter et de dire s'asseoir. Oh putain, il y a une technique. De quoi? Je fais dans la technique là. Ah, toi aussi t'es dans la technique. C'est ça que tu voulais faire? Je sais pas, je peux regarder ce que tu faisais, t'es occupé. Bah genre là normalement je peux pas arrêter. T'as sauté, tu t'es assis sur le rebord, c'est ça? Non, j'ai attrapé le harpon. Ok. Parce que tu peux aussi sauter face à l'avant et demander à t'asseoir dessus. Je crois qu'il est un peu trop long le fait de s'asseoir. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai pas. En fait, j'ai vu que je pouvais le faire. Je sais pas si j'ai le temps de le faire. C'est bon, on a tout vendu. Je sais pas. Y a pas un baril de poudre à l'étage? Si. Y a un baril de poudre à l'étage. J'y vais. Alors on va tester. Hop. Ouais, ça marche pas. Trop de délai. Ouais. Je suis en dessous. Ah oui. Et en plus c'est pas un petit baril de poudre.
Oh si, c'est un petit. C'est un tuberelle. Navire squelette coulé. Ah ça y est, on a coulé un navire squelette. Ouais bah ouais, tu vois, on a coulé les deux. Sérieux? Ouais, je te l'ai dit. Mais comment on peut couler des navires squelettes avec 8 jours de délai? Il y a plus un squelette avec une planche, c'est ça? C'est... Non, est-ce mais que c'était gros... comme des potes qu'on avait rencontrés à moins une planche. Non, en gros, eux, quand tu les, quand ils sont en attaque, ils vont pour réparer le bateau. Mmh. Mais une fois qu'ils sont en défense, ils touchent plus au bateau. D'accord, donc c'est pour l'instant une erreur de codage. Très bien. Soit. Bah tant mieux, tu as genre un navire squelette. Du coup, je vous laisse naviguer, je fais des bisous à ton tube. Des bisous ton tube, à la prochaine.